Communiqué depuis le dimanche 28 novembre 2021, conformément aux vertus cardinales du CNRD et de son président, son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, réside à l'Andrea, commune de Dixine, au domicile officiel de son épouse, Madame Hadja Djenné Kaba Condé. Le CNRD et son président rassurent l'opinion nationale et internationale de sa volonté de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l'ensemble du peuple de Guinée, conformément au principe de liberté universelle des droits de l'homme. Par conséquent, le CNRD continuera à assurer à l'ancien chef de l'État un traitement digne de son rang, et ceci sans aucune pression nationale ou internationale. Conakry, le 29 novembre 2021, le CNRD. Je vous remercie. Décret D 2021-0146 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-008 PRG CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2021-0035 PRG CNRD du 21 octobre 2021 portant nomination du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, vu le décret D 2021-0015 PRG CNRD du 12 octobre 2021 portant nomination du chef d'état-major général des armées, décrète. Article 1er. Le capitaine de vaisseau Mohamed Camara, matricule 14781G, ancien chef d'état-major adjoint de l'armée de mer, est nommé préfet maritime en remplacement du colonel à la retraite Mfamara Diomandé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 26 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0147 PRG SGG portant nomination d'un officier général de deuxième section à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division à la retraite, Bambo Fofana, est nommé président de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, COMNAT ALPC, en abrégé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 26 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0148 PRG SGG portant nomination d'un officier à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le capitaine alias Camara, matricule 15545G,
précédemment journaliste reporter à la division de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, est nommé directeur de la dite direction en remplacement de M. Aladji Sellou Camara. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 26 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya.